En production laitière biologique, la plupart des rations hivernales sont basées sur des récoltes d'herbes qui peuvent être de qualité relativement variable. Dans l'ouest de la France, de nombreux éleveurs bio ont conservé du maïs dans leur surface fourragère. On peut donc se poser la question de la forme de maïs à privilégier. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser le maïs sous forme d'ensilage classique ou est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à le récolter sous forme d'ensilage de maïs épi pour concentrer la ration en énergie? Qu'avez-vous testé pendant 2 hivers? Pendant 2 hivers, nous avons choisi de comparer sur le troupeau de vaches de Trévarez qui est constitué de vaches croisées Holstein, Jerseyaise et Normande, 2 rations différentes. Quelle était la ration? Les deux lots ont reçu la même ration à base d'ensilage d'herbe à volonté, plus 2,7 kg de mélange céréalier au robot. Dans le lot témoin, le complément s'est fait sous forme de 5 kg d'ensilage de maïs classique. Et dans le lot expérimental, le complément s'est fait sous forme de 5 kg d'ensilage de maïs épi par vache et par jour. Quels sont les résultats de cet essai sur le troupeau bio? Du côté des résultats, nous avons obtenu 1 kg d'écart de lait par vache et par jour en faveur du lot expérimental par rapport au lot témoin pendant les 2 hivers. Il y a une différence, le premier hiver, une tendance de TB de 1,5 g par kilo en plus, qui ne s'est pas répétée le deuxième hiver. Et nous n'avons pas obtenu de différence du côté du TP, de la santé des animaux ou de l'état en fin d'hiver. Quel est l'impact sur la surface? Côté surface, il faut savoir que pour récolter du maïs épi, c'est environ 60% du rendement du maïs en silage. Il faut donc prévoir des surfaces supplémentaires. Si on prend l'hypothèse d'un troupeau de 75 vaches nourries avec 5 kg de maïs épi pendant 3 mois, il faut prévoir 4,2 hectares supplémentaires dans son assolement. En conclusion, avec l'ensilage de maïs épi, c'est 1 kg de lait en plus par vache et par jour, mais cela nécessite davantage de surface fourragère et donc ça peut mettre en péril le bilan fourrager d'une exploitation un peu tendue de ce côté-là. Si je récapitule, plus 1 kg de lait en hiver, pas de différence sur les taux TB et TP. Prévoir plus de surface, 4,2 hectares pour un troupeau de 75 vaches laitières. Pas d'amélioration de la marge sur coût alimentaire.